Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 35 de notre aventure 100% sur Super Mario Bros. Wonder. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. C'est au niveau de l'épisode précédent, on s'était tout simplement attaqué aux îles florales dans lesquelles on avait fait les derniers niveaux qui restaient tout simplement des îles florales. On s'était rendu ensuite dans le monde spécial dans lequel on s'était attaqué à notre avant-dernier niveau du monde spécial, enfin avant-dernier niveau, avant de s'attaquer à l'avant-dernier niveau, parce que réellement il nous manque plus qu'un seul niveau à découvrir dans le volcan végétal, hein, qui est notre prochain monde certainement, et du coup on pourra s'attaquer à l'ultime niveau qui est tout là-haut, que j'ai un petit peu peur. Écoutez, et du coup écoutez les amis, on va pouvoir continuer notre aventure. Alors du coup on va pouvoir découvrir aujourd'hui notre dernier monde, le volcan végétal, avec du coup vu qu'on a du coup 15 wonder seed, enfin on a un peu plus de 15 wonder seed, mais ça requiert 15 wonder seed, donc on y va. Et c'est parti pour le volcan végétal. C'est parti. Volcan, enfin, basé sur de la lave, évidemment, basé sur du feu. Ok, avec Bowser Jr. Toute cette lave, j'adore la lave. Je parie que mon papounet s'ennuie à ne rien faire à part cumuler de la puissance prodigieuse. Et si je fais exploser la lave, c'est sûr, ça va l'amuser. Ça fera comme un feu d'artifice. Et il est possédé. Ok, 15. Alors, comment ça se passe? Ouh là là. Ok, c'est par étage. Volcan végétal, monde 6. Nous voilà au volcan végétal. La végétation et le magma se côtoient et s'étendent aux profondeurs d'ici. En profondeur ici, ok. Oh putain, par contre, il a l'air d'être complet ce niveau. 1, 2, 3 avec le monde, avec les 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What? Mais il y a énormément de choses ici. What the fuck? Ah, donc vraiment, c'est... Alors, ça ressemble à peu près au système des mythes fongiques, un petit peu, sur certains points. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, du coup, il y a carrément deux gros boss, ici. Il y a le truc 15. Bah, ça se voit que c'est l'ultime monde, hein. Ça se voit que c'est l'ultime monde. Ok, bah, écoutez, why not, hein. La végétation et le magma se côtoient et s'étendent en profondeur, ici. Il y a quelques poplins à l'esprit scientifique qui surveillent la zone. Allons à la station du contrôle, la plus proche, et demandons-leur s'ils savent où est la graine royale, là. Wow. Ok. Oh. Ok, non, ça c'est pour quitter le monde. D'accord, je pensais qu'il y avait un tuyau spécial. Faut quand même bien fouiller. Ok, bah écoutez, volcan végétal, station de contrôle 1. Donc il y en aura plusieurs. Avec une wonder seed. Ok, putain, what the fuck. Ok. Ok. Ouais, je voulais voir ce que ça faisait quand on l'étendait de... beaucoup. Le petit truc. Prince Florian, aidez-nous. Le volcan végétal se comporte anormalement depuis que le palais a été capturé. Le magma est de plus en plus chaud. À cause de la chaleur, les plantes poussent de manière anarchique. Il y en a absolument partout. Nous courons un sérieux danger. C'est sûrement notre gros coup de Bowser Jr. Oui, je voulais mettre en gros. Je voulais mettre gros derrière. Et je parie que la graine royale est à l'intérieur du palais. Altesse, je vous en supplie, reprenez le contrôle du palais et sauvez le volcan végétal. Apportez cette graine prodigieuse, elle vous portera chance. Et voilà, donc c'est la première de notre dernier monde. C'est quand même dingue de se dire qu'on est déjà au dernier monde, hein. Putain, vous vous rendez compte? On est déjà au dernier monde, après épisode 30 quand même, mais bon. C'est fou, hein. C'est fou. Ok. Bah écoutez, let's go, hein. Oui, Mams. Ouais, mais bon, pas maintenant. Je te remercie, Mams. T'es pas beaucoup grand que tu manges ça, d'ailleurs. Alors, du coup, les recherches collectives, énigmes des objets. Ah bah super, ça va nous prendre tout l'épisode avec une wonder seed. Bon, bah écoute, on va s'attaquer à ça, hein, comme ça au moins, on sait que ça va prendre tout l'épisode. Voilà, super. Bon, bah, ouais, parce que ça, ça prend toute une vidéo, en général. Oh, shit. Trouvez-les tous. Trouvez-les tous les jetons prodiges cachés sur la place. Si vous avez des difficultés, demandez à un ami de vous aider. Aïe, 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 aïe. Ça pue depuis cette histoire.
Ah, on sait qu'il y a des fois, il y a des blocs. Des fois, il y a des blocs invisibles. Hein. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Attendez. On va voir si ça marche avec ça. Non, ça marche pas. Bon, bah, je vous le dis, ça va prendre toute la vidéo. Je précise. On sait jamais. Ça va prendre toute la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Pourquoi il y a ça? Ça sert à quoi? Ça sert juste à faire des dégâts, sérieusement. Ok, non, en fait, je viens de comprendre un truc. Je pense qu'il faut absolument... Non, je voulais pas prendre ça. Merci. Ah, il faut faire attention parce que certains tuyaux peuvent être poussés, hein, donc... C'est bien, on en a récupéré zéro pour le moment. On en a récupéré zéro. Ah d'accord, super, on ne peut pas faire ça. Ok. Ah ouais, donc je vous dis quoi, ça va prendre toute la vidéo. Bah ce n'est pas du mytho. Attendez, vu que c'est du bleu, il n'y a pas un truc à faire avec ça? Il n'y a pas un tuyau à péter? Non. Je me suis dit peut-être c'est un rapport avec les couleurs du tuyau. Non, c'est rien. D'accord. Ça se détruit ça. Ça se détruit, hein. Je sais pas comment, mais ça voulait pas se détruire avec les boules de pique. Mais ça se détruit, donc il y aura un truc à droite, c'est sûr. Oh là 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 là. Oh. Attendez. Ok. Ok, premier jeton sur 5. Ouais, youpi, alléluia. One, four left. Ok, je viens de comprendre ça. Il faut les buter avec les bulles d'eau. Ok, il faut chercher des bulles d'eau aussi. Oh shit, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, 2, donc ça nous fait, du coup, il nous manquera plus que 3. Putain, il nous en manque plus que 3. Par contre, lui, je sais pas du tout comment on peut le choper, hein, concrètement. Alors, sauf s'il y a un passage secret quelque part. Ok. Attendez, il n'y a pas moyen de détruire vraiment les blocs avec ça? Mais non, on peut pas. Ça va pas. Ah, je me dis peut-être qu'on peut blesser le sol. Bon, blesser le sol, c'est bizarre à dire ça, mais bon. Alors du coup, ça, il n'y a pas le choix déjà pour obtenir, pour buter les 3 chip-chip. À mon avis, peut-être aussi un bloc de pow. Ok, je viens de comprendre un truc à gauche. Donc il faudra aller à gauche pour faire les trucs. Ok, one more left. Perfect. Ok, 3. Alors du coup, on va avoir le petit... j'ai déjà le petit truc. Donc on peut faire ça. Je viens de comprendre pour possiblement un truc. Il faut peut-être y aller avec ça. Voilà. 4. Bon, il nous en manque plus qu'un seul. L'éléphant nous a jamais servi. Ah, enfin, si, à gauche, en haut à gauche, j'ai rien dit. Comment peut-on choper le truc ici? Attendez, je veux juste savoir un truc. On peut pas le. Et si on l'amène vers ce côté? Est-ce que genre on peut péter? Genre il y a un mur qu'on peut péter? Je n'en ai aucune idée. On va l'amener. Ah voilà. Je me disais quand même. C'était bizarre, hein. Genre cette boule de pique, elle servait bien à un truc quand même. Bon ben nous avons du coup terminé. Oui. Ça nous a pas pris toute la vidéo. Ça nous a pas pris toute la vidéo, putain. Aïe 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 aïe. Alors, ok, les panneaux. Ok, donc à droite, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas aller tout de suite, malheureusement. Donc, on ne peut pas aller là-haut. Par contre, à là-haut, il y a bien quelque chose. Il y aura bien quelque chose là-haut, hein, parce que là, à là-haut, on peut... Regardez, elle y va. Comment ça se fait? What the fuck? Comment on fait pour y aller? Alors, peut-être ça apparaîtra peut-être un peu plus tard. Je sais pas. Alors on peut descendre. Alors par contre, oh là là, c'est labyrinthique ce niveau.
Vous êtes perdu? Si vous perdez dans le volcan végétal, appuyez sur L pour consulter la carte. Là, vous pourrez sélectionner un stage et vous y rendre directement en appuyant sur A. Non, c'est bon, mais me prenez pas pour un con non plus. Attendez, il y a trop de choses. What the fuck? Oh, mais il y a trop de choses! Attendez, on va d'abord faire cela. Ah, mais après, il faut redescendre derrière. Oh, Starfall là. Bon, comment on fait? Ok, bon, on va s'attaquer à la tanière des roulards. Voilà, avec difficulté 2 étoiles et 2 Wonderseeds. Oh là là. Oh, ce monde là, il va être compliqué, hein, je vous le dis. On va y passer beaucoup d'épisodes là-dessus. Ici, on va y passer beaucoup d'épisodes, hein, je vous l'annonce. Voilà, je vous prépare psychologiquement. Mais on va y passer pas mal d'épisodes. Ok. D'accord. C'est que. On peut, voilà, en fait, ça, on peut le détruire directement en fait. Ok. Pouah, il se percute, trop bien. C'est trop bien. Ok. Ah, il me semble qu'on peut pas y aller sur ce truc là, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, what? One health? Ok, je savais pas. Attendez. Ça se détruit, hein, c'est sûr. Ok, ça se détruit pas. J'ai rien dit. Oh, scheisse. Hey! Y'a vraiment rien. Je l'ai fait tout parce que s'il y a un truc qui nous amène à un niveau. À une pièce violette ou quoi, on va. Ça serait con de pas le faire. Oh, par contre, alors, il y a la Wonderseed là, hein, je vous le dis direct. Je vous l'annonce officiellement. Vu qu'il clignote, il y a la Wonderseed. Ah non, pas du tout, c'est pas... Ok. Why not? Ok, donc on est quand même à une Wonderseed. Une pièce de lettre, je veux dire. Attention. Oh, fuck. Ça paraît à l'infini ou quoi? Oh, scheisse. Hé hé. Par contre, ça fait très rappeler aux structures qu'il y a dans Mario Kart. Dans Mario Kart 8. Dans le cartouche. Ok, bah ça nous amène à un truc secret. Bah, vous voyez ça? On l'aurait pas vu si on n'aurait pas fait ça. Je vous le dis, on aurait cherché pendant 1000 ans. On aurait cherché pendant 1000 ans. Et encore 1000 ans, c'est. Je suis gentil. On aurait cherché des dizaines de milliers d'années. Hein. Des millénaires. Hein. Pas comme Peppa Mario. Ouais, bon, elle était pourrie, je le sais. Ok, je reconnais. Ok, vas-y, dégage. Oh, hey, y a un truc là. Ok, ça pue le passage, le niveau secret. Vas-y. Oh shit. Voilà. Vous voyez, pour les gens curieux comme moi à chaque fois. Ça c'est bien, ça récompense en plus la curiosité. C'est dingue. Ce jeu récompense la curiosité. Oh shit. Ok, c'est ok. Une sortie pour une sortie secrète, excusez-moi. Moi, langue à fourcher. C'est une sortie secrète. On va devoir recommencer le niveau. Donc, il manque quand même une Wonder. Une pièce de lettre. Hein, et la Wonder Seed secrète que je ne sais toujours pas où aller. Je ne sais toujours pas où aller, donc. On va voir, hein. Ça mène où cette sortie secrète? Ok. Oh. En bas. En bas là. Allez, on y va. Excusez-moi. Je dis que des conneries. Let's go. La tanière des roulards. Donc, il manque une pièce violette et la Wonderseed secrète. Hop. Alors, du coup, évidemment, on récupère des pièces. On a besoin des pièces violettes pour acheter les derniers panneaux. Donc. Ça serait aussi bien, sachant qu'on va en dépasser ici aussi, donc ça serait bien de les avoir, les pièces violettes, concrètement. Je dis pas non. Ah, par contre, on sait qu'il y a une vie. Les vies, par contre, je dis pas non, parce que vu quand même la difficulté du jeu, et surtout la difficulté des comment ça s'appelle, des mondes spéciales, vaut mieux avoir les, hein, vaut mieux les avoir. Vaut mieux les avoir, comme ça on est tranquille, quoi. Non.
Tac. Hey. Come on. Come on. Come on. Je sais pas si vous allez reconnaître la référence, tiens. Bon, vu que pour la pièce violette, on va la faire, hein, je vous le dis. C'est pour avoir des pièces violettes, hein, pour acheter les panneaux. Ça limite un peu l'épisode farm qu'on va devoir faire, certainement. parce que je vous avoue que vu le nombre de panneaux qui manquent, on va peut-être devoir en faire un autre. Enfin, on va devoir quand même faire un épisode farm à la fin du let's play. Donc ça limite l'épisode farm quand même un minimum. Sachant qu'il y a plein de choses à acheter. Ah oui, donc ça on connaît. Du coup, on a déjà été là-bas. Du coup, dans le truc spécial. Enfin, dans la sortie secrète. Alors, si ça n'a pas été buté, c'est que, j'allais dire, c'est peut-être pour une raison. Mais non, ce n'est pas pour une raison. Ok. Oh, mais c'est méchant. Mais c'est trop méchant. Mais... Et en fait, c'est censé faire quoi? Bon, nous aussi, on peut répéter l'opération. On peut pas faire comme il fait, lui. C'est de la triche. C'est de la triche, monsieur. C'est de la triche. Tiens. Ok, y a rien là. Ok. Oh. À mon avis, c'est bizarre. Je sens qu'il faut peut-être pas le buter. Attendez. Comment on fait pour y accéder? Je viens de comprendre, c'était ce côté. Mais attendez, mais on peut y aller. Tiens, on peut y aller. Not panic. Oh shit. Voilà, tac. On pousse, on pousse. Ok, à mon avis, c'est pour la pièce violette ici. Hein. Enfin, là, ouais, la petite pièce violette. Ok, oh putain de merde. Oh, ça va, oui, monsieur. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Ok. Easy boy, easy boy. Easy. Bon, merci. Bon, par contre, il manque la Wonder Seed, hein. Toujours au cas où. Il nous manque. Ah, bah elle est là. Attendez, attendez, attendez. Eh hé, on l'a. Qu'est-ce que ça va être? Oh, cette transformation, putain, on l'a j'avais jamais eu, tiens. Oh, c'est trop stylé. On est genre une boule de bowling entre guillemets. Oh, ça fait vraiment le. Ok, c'est le même sound effect que dans Wii Sport quand les qui tombent. Non, mais vraiment, c'est à peu près le même sound effect. Je pense que c'est peut-être fait exprès. Allez, allez. Ah, je kiffe trop. Waouh. Oh, c'est trop stylé. Plus vite, plus vite. C'est trop stylé les fleurs. Mais les gens qui désactivent ça, mais c'est n'importe quoi. Hein. Je les aime tellement. Voilà, tu fais ça, après tu fais ça, tu fais ça, et là pareil, tu fais de l'autre côté. Oh là là. Oh, mais que j'aime ce Mario. Putain, c'est un truc de dingue. Putain, j'espère qu'il y aura un DLC. Hein. Alors, où je vous parle, si Nintendo a annoncé un DLC dans une Nintendo Direct, je suis pas au courant, hein, je vous le dis. Alors, je vous parle, on est début décembre. Voilà, Noël n'est pas encore passé chez moi. Hein. Au cas où, au moins vous êtes un petit peu au courant de. De l'environnement où je suis actuellement. Ouais, parce que oui, en effet, chez moi, Noël n'est pas encore passé. Hein. Pour vous, c'est mars, il y a bientôt. Bon, pour vous, c'est un moment où le printemps est arrivé. Chez moi, non. Hein. Chez moi, rien de tout ça n'est arrivé. Hop. Ah, genre, ils font un truc comme ça alors qu'il n'y a rien. J'ai beaucoup du mal à y croire. Bon, bah. J'ai beaucoup du mal à y croire. Hein. Ok, bah, ok, j'ai rien dit. Hein. C'est rien soit. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Hé hé, je viens de comprendre. Tac, voilà, tu fais ça. Et c'est pour avoir du coup le drapeau. Parfait, le drapeau doré. Enfin, entre guillemets, le drapeau doré, vous avez compris. C'est à peu près le même système que dans Mario 3D World. Pour atteindre le haut du mat. Eh ben écoutez, au moins on aura géré. Ben, je pense qu'on va du coup pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Oui, on va s'arrêter là pour cet épisode.
Bah écoutez les amis, on se retrouvera pour l'épisode prochain. Donc l'épisode 36 qui sera du coup le dernier épisode de cette semaine les amis. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 35 de notre aventure 100% sur Super Mario Bros Wonder. Alors au cas où, oui, on va essayer de faire les choses dans l'ordre quand même. Donc on va essayer de faire tous les stages qui d'ici. Et quand, dès qu'on aura les 15, on ira obligatoirement dans le stage du haut. Comme ça au moins on est débarrassé du haut tout simplement. Et du coup voilà. Et du coup bah écoutez, on fera du coup les différents niveaux. Donc là on a un petit truc badge. Je rêve, on en a beaucoup des trucs badge. On a un autre truc badge ici. Et on a un autre truc à gauche. Donc on verra un petit peu, sachant que quelle chaleur, à mon avis, il faudra peut-être le péter avec quelque chose. On ira lui parler dans l'épisode prochain. Et du coup, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.